Alors, je vais parler d'un truc aujourd'hui dont personne n'a parlé, le Black Friday. Ouais, alors, le Black Friday, ça, c'est quand tu parles anglais. Quand tu parles moyennement anglais, ça peut devenir le Black Friday. Bah, écoutez. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui. C'est bien le magasin de vêtements ? Oui. Je me suis permis d'annoncer une journée Black Friday dans votre magasin avec des promotions. Bah alors, quel honneur. Si vous voulez, je suis dans l'informatisme. J'ai fait un site comme ça pour annoncer les promotions Black Friday dans les magasins. Ouais, mais alors monsieur, vous êtes qui ? Vous habitez où ? Et en quel honneur vous faites ça ? Bah c'est ce que je vous dis, c'est parce que sinon, qui c'est qui va le faire pour vous ? Non mais attendez, je prends les décisions moi-même. Je vous ai quand même fait la pub depuis 15 jours sur le site. Oui, mais sur quel site ? Sur mon site de Black Friday, c'est ce que je vous dis. Eh ben c'est quoi comme site Black Friday ? Le site 2, pardon. C'est quoi le site de Black Friday ? Ah bah c'est ça, c'est Black Friday, comme ça se prononce. Oui, non mais je connais ça, mais vous avez fait votre site Black Friday, comme ça. Voilà, comme exactement, Black Friday, je vous ai mis jusqu'à moins 75%. Non mais vous rigolez, là. Non mais moi je vous ai pas donné l'autorisation de mettre ça sur votre site, et j'ai nullement l'intention de faire du moins 75% dans mon magasin. Non mais sur certains articles. Bah il y en est pas question. Et les autres, vous les laissez à moins 50, moins 60, oui, vous voyez. Oui, bah je suis désolée. On viendra pas me commander ce que j'ai à faire chez moi. De toute manière, moi je suis déjà contre le Black Friday parce qu'on est en France et moi je parle que français. Bah, Black Friday, c'est du français. C'est du français ? Alors ça veut dire quoi ? Alors, Blaye, c'est une ville, la ville de Blaye. Ouais, mais c'est, pour moi c'est pas français. Bah si, Blaye, c'est à côté de Bordeaux. Non mais oui, non mais moi je suis contre tout ça. Vous êtes contre Bordeaux ? Je suis pas contre Bordeaux, je dis on est en France. Donc... Non mais Blaye, c'est en France. Oui, bon, admettons. Ah, voilà. Oui, et le Friday ? Alors Friday. Alors Friday, c'est très simple. Oui. Donc d'abord, fra, les trois premières lettres du mot France. Ouais. Et puis idée, ouais, comme l'idée de faire du shopping pour Black Friday. Oui, non mais moi je suis Black fra idée. Non mais moi je suis pas d'accord. Moi je parle français. Eh ben c'est français. Donc pour moi c'est pas français. Quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, je le dis que la personne comprenne tout de suite. En plus, je vous ai annoncé aussi le White Saturday après. Mais je vous ai pas demandé de mettre ça sur votre site, mais vous êtes quand même culotté. J'ai déjà beaucoup de gens qui ont répondu it's super, yes. Le yes c'est pas français. Ah yes, c'est français. Non, c'est pas pour le yes, ça veut dire oui. Eh ben oui, c'est pas français. Ben oui, c'est français, ah. Mais yes c'est pas français. Alors je suis désolée. Monsieur, vous n'avez pas à mettre ça sur votre site sans mon autorisation. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi et puis qui me demande du moins 75% parce qu'il n'y en aura pas, alors je mets qui en cause, là ? C'est ce que je vous dis. À la limite, vous mettez un article. Vous ne viendrez pas commander chez moi. Quel chinois ? Bah, excusez-moi, quel rapport avec les chinois ? Non, vous ne viendrez pas commander chez moi. Pourquoi vous voulez que je commande des chinois ? Non mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez me dire là ? Mais vous avez un culot phénoménal ! Non mais vous me parlez des chinois, je ne vois pas le rapport, parce qu'effectivement on est en France, comme vous dites, hein, donc... Allô ? Ah, un autre monsieur. Je suis propriétaire du magasin. Je ne fais pas 75% sur aucun article dans mon magasin. Ah si ? Ah bah non, mais vous rêvez, monsieur. Je ne veux pas, il n'y a même pas à discuter, vous m'enlevez de votre site. C'est tout. En plus, je ne prendrai que 10% sur vos ventes de Black Friday. Et puis vous pensez être payé ? Ah oui, quand même. Non mais vous rêvez, ma belle-fille est avocate. Ah bah moi j'ai mon beau-frère qui est avocat aussi, qui est avec bon, moi. Bah, oh bah ça m'étonnerait qu'il vous ait conseillé de faire ça. Ah bah tiens, bah, je vais vous le passer. Oui ? Maître Martin ? Oui ? Il y a le monsieur du magasin qui veut vous parler. Non, d'abord, je suis une dame, voilà. Premièrement. Oui, je vous le passe. Oui, allô ? Oui, bonjour, vous êtes qui ? Maître Martin. De quel barreau vous dépendez ? Du barreau de Martinville. Me prenez pas pour une truffe, hein. Pardon ? Ça va se terminer à la gendarmerie. Ah, bah alors, ne quittez pas, parce que j'ai justement le beau-frère de mon beau-frère qui est gendarmiste. Oui ? Je vous le passe. Ah bah oui, bah... Mais... Brigadier Martin, oui ? Je vous passe le monsieur. Ah oui, d'accord, bon, vous me prenez pour une conne. Ah, alors, je m'excuse, mais le con, c'est moi, monsieur. Ouais, hein, voilà. C'est fini. Mais il y en a d'autres. Bien sûr. Évidemment, tous les matins, dans le 100% sketch sur Rire et Chanson. Avec Bruno Robles ici présent, de 6h à 10h. Voilà, et puis avec Martin et son appel trop con, bien sûr. Et puis plein d'autres trucs. Oui, enfin, plein. Hein, à demain matin, écoutez, comme ça vous saurez. Hein. Exactement. Et en plus, il y a plein de trucs neufs. Oui.